Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto couture qui va consister à faire des petits cotons démaquillants comme celui-ci. Alors, d'où est venue l'idée? C'est-à-dire qu'au départ, ma sœur m'avait demandé d'en faire parce qu'elle est très branchée, écologie, etc. Et du coup je me suis dit que dans le cosplay, comme on se maquille et on se démaquille beaucoup, bah que ça allait être utile de vous montrer ça, si certains sont très portés aussi sur l'écologie. Par contre, j'ai pas encore, à l'heure actuelle, au moment où je commence à tourner des vidéos, je n'ai pas encore pu les tester moi-même, parce que je les ai pas finis. Bon, je vous montrerai la pile que j'ai à faire, et vous allez voir que j'en ai fait beaucoup. Voilà, du coup, donc nous on s'était mis à deux avec ma sœur, mais là je vais vous en montrer comment faire un seul, et il vous suffira ensuite de pouvoir recommencer avec. Voilà, salut, à tout de suite. On se retrouve avec la caméra sur le plan de couture. Alors, avant de passer à l'étape couture réellement, il fallait bien que je vous explique les dimensions de tissu qu'on a choisi et quel tissu même prendre. Donc, tout d'abord, le tissu qui va passer sur votre visage, c'est tout bêtement du tissu éponge, le même qui est utilisé pour faire notamment des serviettes de toilette ou de bain. Après, on en avait pris 1 mètre par 1 m 30 de mémoire. Si vous le pouvez, prenez 50 cm, ce sera déjà bien assez suffisant, surtout si vous avez une grande largeur. Ensuite, pour le tissu de l'autre côté, c'est tout bêtement du coton. Nous, du coup, c'était un vieux bas de pyjama qu'on a sacrifié pour les cotons. Mais je pense qu'il devait y avoir à peu près 1 mètre par 1 mètre 10. C'est... En gros, si vous prenez du tissu neuf, prenez les mêmes dimensions que pour le tissu éponge. Ensuite, pour la découpe, pensez à bien épingler le tissu éponge avec le coton pour couper des cotons qui sont exactement pareils, parce que nous du coup on avait fait l'erreur de couper le coton et le tissu éponge séparément, et du coup on a été obligé de pas mal recouper, on a eu pas mal de pertes de tissu du coup. En ce qui concerne les dimensions d'un coton, on était à peu près sur du 10 par 10. Voilà. Alors, première étape en couture, vous devez du coup épingler vos petits cotons envers sur envers et vous le passez à la machine au point droit classique de taille moyenne. C'est parce que moi du coup j'ai 3 réglages de points. Pour les coins du coup, donc vous enfoncez votre aiguille, vous levez le pied et vous tournez l'ouvrage avant de remettre le pied, et ça vous permettra de continuer à faire votre couture d'une traite. Ah oui, évitez de laisser votre... Vous devez laisser une ouverture pour pouvoir retourner le coton plus tard. Évitez de la laisser dans un coin. Parce que vous comprendrez après pourquoi. Pensez bien également à faire vos marches arrière pour arrêter votre ouvrage. Étape suivante, vous devez du coup donc recouper vos coins. Donc moi ici je vais vous montrer que je coupe un peu plus, parce que du coup ça c'est dû au fait qu'on n'ait pas coupé ensemble le tissu coton et le tissu éponge, parce que du coup j'avais énormément de pertes. Là du coup donc au ciseau vous devez recouper vos coins en diagonale pour avoir de jolis coins bien ronds. Donc je vais vous montrer. Voilà, là je coupe le coin en diagonale. En gros, vous devez avoir 4 coins en diagonale, enfin, qu'il n'y ait pas de coins pointus, si vous voulez, lorsque vous avez votre coton sur l'envers. Faites attention à cette étape-là, à ne pas couper bêtement l'une de vos coutures, auquel cas vous serez obligé de la refaire, parce que sinon votre coton se détériorera assez rapidement. Ultime étape, enfin presque, vous devez retourner le coton par l'ouverture que vous avez laissée
Et avec la baguette ou avec le bout rond de vos ciseaux pas ouverts, vous devez aller pousser dans les coins pour avoir de jolis coins bien nets. Voilà, comme ceci. Du coup, vous comprenez à cette étape-là pourquoi je vous dis d'éviter de laisser dans des coins l'ouverture, parce que sinon, du coup, vous aurez trois coins nets et un coin qui sera un petit peu moins bien. Puisque une fois que vous avez tout retourné, il vous suffit juste de refermer l'ouverture. Par contre, ces cotons démaquillants, je ne les conseillerais pas pour ceux qui veulent se faire des body painting. Pourquoi ? Le fait qu'ils soient réutilisables, c'est vraiment plus adapté pour la vie de tous les jours. Et pour les body painting, déjà en général, c'est du maquillage à l'alcool, enfin du moins pour ceux qui veulent un truc bien résistant. Et après pour les autres, c'est du maquillage qui s'enlève à l'eau. Du coup, dans ce cas, je suis pas sûre que ce soit vraiment très très adapté. Parce que bah, vous risquez de le flinguer tout simplement en un coup de body painting. Donc je suis vraiment pas sûre que ce soit adapté à votre cas. Si certains l'ont testé avec du body painting, enfin enlever du body painting avec ça, et qu'après ils ont pu réutiliser le coton, n'hésitez pas à le dire dans la barre de commentaires, enfin dans les commentaires en bas. J'épinglerai votre commentaire et pour que tout le monde puisse savoir comment, bah, si ça a marché. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si, à tout hasard, si vous vous êtes mis au coton démaquillant grâce à ce petit tutoriel. Voilà, ceci conclut notre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve quelques mois après la création de mes petits cotons démaquillants. Et du coup, donc j'ai décidé de ne pas vous laisser quand même sur une vidéo en mode j'en fais, mais j'ai jamais testé. Non, quand même, ça aurait été assez méchant de ma part. Du coup, donc je vais pouvoir vous donner mon avis dessus. Et mon avis, c'est que j'ai été franchement surprise. Du coup, donc pour les utiliser, c'est tout simple, vous maquillez naturellement, vous faites votre journée à Japan Expo, par les mangas, etc. Et ensuite, du coup, donc, vous prenez votre petit coton, vous mettez votre petit démaquillant dessus, comme sur un coton démaquillant classique. Vous vous démaquillez comme avec un coton démaquillant classique. Et ensuite, vous le rincez simplement à l'eau avec un peu de savon, histoire d'enlever vraiment le gros excédent de maquillage qui part directement. Et après, ça se passe en machine à 30, voire 40. Hein. Honnêtement, les trucs qui tiennent très bien. Voilà. Et ça tient nickel. Regardez comment il est propre. Hop. Voilà. Ça c'est la propreté du coton qui a déjà été utilisé. Alors par contre, le seul point négatif avec ces cotons démaquillants là, c'est que du coup le tissu n'est pas très... merci focus. C'est que le seul point négatif dessus, c'est que le tissu à passer sur le visage n'est pas très agréable. Mais ça, c'est parce qu'il aurait fallu que je prenne du tissu éponge en microfibre de bambou. Apparemment, c'est plus doux. Donc si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à chercher ça dans vos magasins. Je sais même pas où ça peut se trouver, un tissu pareil, mais soit. Et du coup, voilà. Bon, ils sont pas très propres. Hein. Il aurait fallu, dans l'idéal, plus que je les ferme à la main. Mais au vu de la quantité que je dois faire... Fin... Parce que oui, il m'en reste toujours à faire. Hein. Et du coup non, c'était pas possible de les fermer tous à la main parce que ça m'aurait pris vraiment 10 ans et j'en aurais toujours pas fini un à l'heure actuelle quoi. Donc voilà, du coup c'était mon petit retour dessus, honnêtement ça passe nickel. Je le déconseillerais encore pour le body painting parce que vraiment, par exemple ça, le maquillage de Kylie Jenner, les lipsticks, j'avais testé la dernière fois, je m'étais mis, donc on s'était mis avec ma soeur, nos petits rouges à lèvres qu'on avait reçus en promo. Le machin, clairement, il a pas résisté par contre. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours des marques de rouge à lèvres dessus, malgré qu'on les nettoyait au savon et passait à la machine. Voilà, du coup il tient vraiment, enfin disons qu'il enlève, enfin il redeviendra blanc si votre maquillage n'est pas trop accrochant. Mais en ce qui concerne les grosses marques qui vraiment... qui vraiment accroche bien sur votre peau, voilà, n'utilisez même pas ça quoi. Vous allez flinguer assez rapidement. Voilà, sur ce, je vais vraiment pouvoir conclure la vidéo. Je vous dis à plus tard sur la chaîne.